le 10 octobre 2013, la convention Minamata, un accord international visant à protéger du mercure les populations guyanaises et de l'environnement, a été signée. 128 pays réunis à Kumamoto, au Japon, étaient d'accord pour réduire la pollution mondiale au cours des prochaines décennies. Pollution mondiale, oui, mais qu'en est-il de la Guyane? Et puis, pollution mondiale au cours des prochaines décennies, ça veut dire? Quand on dit pollution mondiale, c'est sans doute selon leur regard, mais pour les Guyanais, c'est de la fiction. Un peu comme Superman qui sauve des vies aux États-Unis. C'est de la fiction, mais rien de vrai. Rien de vrai, mais c'est mondial. Ok, concrètement, qu'en est-il? Pollution mondiale des prochaines décennies. Pas une, pas deux, mais des prochaines décennies, c'est ça? Exact. Décennie, c'est une période de 10 ans. Depuis cet accord international signé en 2013 jusqu'à aujourd'hui 2024, ça fait donc 11 ans que des Guyanais meurent empoisonnés par le mercure. Plus de 11 ans que les enfants guyanais souffrent de troubles de croissance. Plus de 11 ans que des femmes ne peuvent plus allaiter leur bébé car leur lait maternel est empoisonné et contient aussi du mercure. En réalité, on n'en parle pas. Mais au début des années 1990, voire même avant, les Guyanais se sont rendus compte par eux-mêmes de la pollution et de l'intoxication au mercure. À tel point que les fleuves et rivières comme Maroni, Lawa, Itani, Comté, Mana, Sinamari, Kourou et tous les autres fleuves et rivières sont tous empoisonnés. La convention Minamata devait, à l'origine, interrompre ce cercle de la misère, interrompre cette situation inacceptable et très préoccupante, et permettre d'améliorer la santé des populations dans le monde entier, et aussi d'accélérer le passage à une économie plus juste et plus verte, dans le monde entier, mais excepté la Guyane. En plus du méthylmercure, le plomb, l'imprégnation du plomb s'étend sur tout le territoire, donc toutes les populations vivant sur les rives des fleuves et des rivières ne sont pas épargnées. On trouve du plomb dans la vaisselle en céramique, dans les marmites traditionnelles. On trouve du plomb dans les râpes à manioc qui implicitement contaminent les farines. Le couac, cette fameuse et savoureuse farine de manioc locale et de qualité, typiquement guyanaise. Mais il y a plus grave. La contamination au plomb expose les Guyanais au saturnisme. 20% des enfants en Guyane en souffrent. Une concentration de plomb dans le sang des enfants ont des effets dévastateurs. Des anomalies rénales, des troubles digestifs, des répercussions sur le poids de naissance. Pour les enfants qui s'accrochent et qui arrivent à rester malgré eux en vie. Attends, ceux qui arrivent à rester en vie, et pour les autres, ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut entendre, c'est le mot « poison ». L'être humain y résiste quelques secondes, certains quelques heures, et les plus résistants, quelques années. Quelques années, mais ce sont les organes vitaux qui sont affectés, comme le foie et les reins, donc une espérance de vie plus courte. Être empoisonné et subir des anomalies de santé préoccupantes et inquiétantes, est-ce vraiment vivre? Attends, si des membres des différentes populations guyanaises sont empoisonnés, s'ils sont rendus mentalement et physiquement brisés, voire même rendus incapables de procréer, à cause du plomb et du mercure qui rendent difficiles leurs existences, et de façon collective, il y a un mot pour ça, non? Oui, quand des accords sont signés sur le papier, mais qu'humainement rien de concret n'a été effectué pour sauver des vies, et en ayant connaissance des problèmes sanitaires et récurrents en Guyane, c'est comme se taire et laisser faire. Voir une élimination progressive des peuples guyanais, intentionnel ou non, total ou partiel, c'est un crime déguisé, donc un génocide.